Bonjour, alors bienvenue dans cette troisième vidéo sur la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Alors on a déjà fait deux petites vidéos sur ce sujet dont les liens sont en description. Et il faut avoir vu ces vidéos avant d'aborder celle-là. On s'était arrêté sur un modèle de plus long chemin pour le sac à dos. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va expliquer qu'on peut en fait écrire ce modèle de plus long chemin d'une façon plus compacte et directe en donnant simplement une équation de récurrence, qui va être l'équation de Bellman en fait associée à ce modèle de chemin. On va également montrer qu'on peut directement écrire un algorithme à partir de cette équation de Bellman et on va appliquer cet algorithme sur un exemple. Voilà. Alors on va commencer par un petit rappel sur le problème du plus long chemin dans un graphe sans circuit. On a aussi fait une petite vidéo là-dessus qui est en description, dont le lien est en description. Donc le problème qu'on se pose ici, c'est de calculer les valeurs des plus longs chemins de S vers tout autre sommet. Et on a vu pour faire ça qu'il suffisait de prendre les sommets dans un ordre topologique. Hein, pour connaître la valeur du plus long chemin atteignant un certain sommet, ça va être immédiat dès que je connais les valeurs des plus longs chemins atteignant ses prédécesseurs. Donc je vais rappeler ça sur l'exemple. Donc je vais partir de S, le plus long chemin de S à S vaut 0. Et une fois que je connais S, ben, je connais le plus long chemin, la valeur du plus long chemin atteignant B, c'est 3. Et puis maintenant, je pourrais calculer les valeurs pour D et pour C. Parce que pour D et pour C, en fait, je connais les valeurs pour leurs prédécesseurs. Alors ici, j'ai fait C, hein, et le plus long chemin, la valeur du plus long chemin atteignant C, ben, c'est le plus long entre venir de B plus 4 ou venir de S plus 5. Donc c'est le max et ça vaut 7. Je vais pouvoir continuer comme ça et obtenir toutes les valeurs. Alors, ce qu'on a vu, c'est que derrière ce principe, il y a une équation qui est l'équation de Bellman, hein, dans un graphe sans circuit. Donc, si on note FU, la valeur du plus long chemin de S à U, ce qu'on a simplement dit, c'est que la valeur du plus long chemin atteignant V, ben, c'est le max ou le plus long sur tous les prédécesseurs U de V. Hein? Donc, on fait le max sur tous les prédécesseurs. Ça va être vrai pour tous les sommets, à l'exception de la source, pour lesquels il faut arrêter la récurrence et on note F de S égale 0. Alors vous voyez que si on applique cette équation de récurrence en prenant les sommets dans un ordre topologique, eh bien on peut calculer ces valeurs en examinant chaque arc une et une seule fois. Et on a un algorithme dont la complexité est en nombre d'arcs du graphe, hein, en grand O de cardinalité de E. Voilà. Alors ça c'était un petit rappel, et maintenant on va écrire cette équation dans le cas de notre modèle de sac à dos. Alors je rappelle le graphe qu'on avait pour notre exemple de sac à dos, et je rappelle également l'équation qu'on vient de voir, hein, de l'équation de Bellman dans un graphe sans circuit. Et puis aussi le principe général de notre graphe, hein. Dans ce graphe, on avait un sommet par paire CI, un sommet pour chaque sous-problème de capacité C et restreint aux objets de 1 à i potentiellement, hein, et utilisant potentiellement les objets de 1 à i. Et puis les arcs dans ce graphe modélisent les décisions de prendre ou non les objets. Alors comme on a un sommet par paire CI, ben on va écrire F, hein, sur chaque paire. Donc on va avoir F étoile de CI. Alors je vais noter F étoile plutôt que pour la distinguer de F simplement. Donc F étoile de CI, la valeur optimale d'un sac de capacité C et utilisant potentiellement les objets de 1 à i. Donc maintenant, pour écrire cette équation de récurrence, il suffit que je fasse le max sur les prédécesseurs des sommets CI. Donc dans le cas général, CI a deux prédécesseurs. Donc je vais avoir immédiatement l'équation qui va me dire ben, que je fais pour obtenir la valeur optimale pour CI, c'est faire le max sur les deux prédécesseurs de CI. Correspondant aux deux cas, on met l'objet I dans le sac ou on ne met pas l'objet I dans le sac. Alors, à titre d'exemple sur le graphe, si on regarde ben, le plus long chemin atteignant le sommet 3, 2, c'est le plus long entre venir de 3, 1, et dans ce cas-là, c'est le deuxième terme de cette équation de récurrence. Donc venir de 3, 1 plus 0, donc le plus 0 n'est pas indiqué, hein, ou venir de 0, 1 plus 5, plus la valeur de l'objet i, qui correspond à mettre l'objet i dans le sac. Donc voilà, à titre d'exemple sur le graphe, où est-ce qu'on retrouve cette équation de récurrence. Alors, ça ne suffit pas, il faut gérer les cas particuliers du graphe, donc c'est ce qu'on va faire. En particulier, il faut arrêter la récurrence, c'est-à-dire qu'on sait que la valeur optimale de tous les sous-sacs restreint à 0 objet, quelle que soit leur capacité C, bah c'est 0. Ça, dans le graphe, ça correspond à marquer tous les sommets pour i égale 0, à les marquer avec la valeur 0. Et puis, il y a un autre cas qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que si l'objet i ne rentre pas dans le sac, cette condition n'est pas vérifiée, bah, j'ai pas deux prédécesseurs dans mon graphe, hein.
Donc, c'est ce qu'on va faire. Si le poids de l'objet IW est strictement plus grand que la capacité, à ce moment-là, je ne peux pas appliquer cette équation générale. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas mettre l'objet I dans le sac. Alors, par exemple, dans mon graphe, à titre d'exemple, on pourrait avoir ces trois sommets bleus. Donc ici, le poids de l'objet 2, c'est 3. Et donc, l'objet 2 ne rentre pas dans un sac qui serait de capacité 2, 1 ou 0. C'est pour ça que ces sommets n'ont qu'un seul prédécesseur. Et c'est ce qu'on exprime aussi avec l'équation de récurrence. Alors voilà l'équation de Bellman ici dans le cas particulier du graphe de sac à dos. Donc ce qui est très important de voir ici, c'est qu'on a écrit cette équation de récurrence sans mentionner le graphe. Il n'est pas question de source, de sommet, de puits ou d'arc. On l'a écrite uniquement dans les termes originels du problème, avec les capacités, les poids, les valeurs. Donc c'est ce que vont souvent faire les gens en programmation dynamique. Et en fait, ce qui justifie cette équation, au fond, c'est la propriété qu'on a mentionnée sur le problème du sac à dos. C'est que un sous-sac d'un sac optimal est lui-même optimal. C'est ça qui justifie cette équation de récurrence. Donc les gens vont faire cette démarche sans nécessairement passer par le graphe ou mentionner le graphe. Mais en réalité, il faut comprendre qu'il y a bien un modèle de graphe associé avec cette équation de récurrence et l'équation de Bellman dans un certain graphe. Voilà, ça c'est important de voir les deux. Alors une fois qu'on a écrit cette équation de récurrence, on peut directement dériver un algorithme. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais rappeler les différents éléments. Donc j'ai mis l'algorithme ici à gauche. J'ai rappelé les valeurs du jeu de données qui nous servaient d'exemple. Et on va expliquer l'algorithme. Alors le but du jeu est de remplir la matrice F. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la dernière case. C'est F étoile de 10, 5. Puisqu'on cherche à résoudre un petit problème de capacité 10 et utilisant 5 objets. Alors pour connaître la valeur de cette case, on l'a dit, il va falloir connaître toutes les cases intermédiaires. Pour résoudre un problème de taille i, il faut connaître les valeurs des problèmes de taille i-1, ici. Alors examinons l'algorithme. Donc on crée la matrice et puis on va initialiser un certain nombre de valeurs. Ici, simplement, on a mis des zéros dans toute la matrice, mais je les ai notés que dans la première colonne et la première ligne. Donc ça veut simplement dire dans la première colonne que tous les sous-sacs restreints à 0 objet valent 0, et puis tous les sous-sacs de capacité 0 valent aussi 0, on ne peut rien mettre dedans. Alors, examinons maintenant un peu le corps de l'algorithme. Donc on va considérer les colonnes de façon croissante, donc pour i de 1 à n. Donc on va considérer les colonnes une à une de la matrice. Hein, ça c'est parce que pour remplir la colonne i, il faut connaître les valeurs de la colonne i-1. En colonne, on a les objets. Et puis, on va prendre les capacités de 0 à grand W. Alors, examinons le début. Donc, ici, dans cette première case, c'est donc je suis à C égale 1, I égale 1 et grand C égale 1. Ben, l'objet 1, son poids est 2, il ne rentre pas dans un sac de capacité 1. Donc ici, on est dans le sinon, c'est-à-dire que le poids de l'objet 1 est plus grand que la capacité que je considère. Donc, je prends la valeur du problème restreint, j'ai pas le choix, à I-1. Donc, je prends cette valeur-là. Et je suis dans ce cas-là. Alors, à partir de la capacité 2, ici, ah ben là, j'ai la place de mettre l'objet 1. Donc, le si va être validé. Et je vais faire le max entre ces deux cases précédentes qui correspondent à cette instruction. Donc, soit j'ajoute l'objet 1 dans un sac de capacité 0, soit je ne l'ajoute pas dans un sac vide de capacité 2. Donc, je fais le max entre les deux. Et le max, c'est bien sûr de l'ajouter. Et ça vaut 3. Alors, ça va être pareil pour un sac de capacité 3. Hein, je peux à nouveau mettre l'objet 1. Donc le max, c'est le meilleur, c'est de mettre l'objet 1. Donc ça va être vrai en fait pour tous les sous-sacs de capacité plus grande que 2, puisqu'à partir du moment où je peux mettre l'objet 1, je vais gagner à le mettre. Donc toute la fin de ma première colonne, ici, ça va être des 3. Alors on examine un peu la deuxième colonne, pour être sûr qu'on pige bien. Donc ici, par exemple, première, c égale 1, je ne peux pas mettre l'objet 2. Là, c égale 2, je ne peux pas mettre l'objet 2, hein, puisque le poids de l'objet 2 vaut 3, je ne peux pas le mettre dans un sac de capacité 2. Donc, je suis à nouveau dans ce cas-là, et je recopie la valeur. Alors, je vais continuer comme ça, et puis je vais peut-être examiner une case. À partir du moment où j'arrive à la capacité 5, bah là, l'objet 2 rentre, donc je suis dans ce cas-là, et je fais le max entre rajouter l'objet 2 dans un sac de capacité 2, donc le sac optimal valait 3, ou ne pas rajouter l'objet 2 dans un sac de capacité 5. Donc le max, c'est quand même de rajouter l'objet 2, et donc ça va me faire 3 plus 5, ça va me faire 8, c'est plus grand que 3. Voilà. Alors je vous laisse
remplir la matrice par vous-même pour l'important étant de bien vérifier que vous comprenez l'algorithme en fait en l'exécutant. Voilà, alors ce qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a résolu un problème de long chemin en considérant les sommets dans l'ordre topologique, hein. On a rempli les cases, on a organisé le remplissage des cases pour marquer les sommets dans un ordre topologique. Donc on a en fait écrit un algorithme de plus long chemin dans un graphe acyclique, mais dédié au problème du saccadon. Donc c'est bien important de mettre les deux en face. Ça permet de bien comprendre l'algorithme qu'on a écrit et d'en écrire d'autres de façon assez rapide. Alors, ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est qu'on a dit comment obtenir la valeur optimale 16, hein, mais on n'a pas dit comment retrouver une solution permettant d'avoir cette valeur. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, j'ai repris l'algorithme, mais j'ai laissé des blancs pour faire des modifications pour pouvoir stocker une solution optimale. Alors le principe général, c'est qu'on va avoir une autre structure de données qui va être la matrice P, la matrice des prédécesseurs, et qui va être analogue au prédécesseur qu'on avait dans l'algorithme de Bellman-Ford, et qui va permettre de retrouver une solution optimale. Donc pour ça, on va garder la trace des décisions qui ont été prises. Donc ici, quand je calcule cette valeur 16, c'est que j'ai fait le max entre deux valeurs, hein, puisque le poids de l'objet 5, c'est 8, donc j'ai fait le max entre, à la ligne 2, hein, de la valeur de 3, 3 plus 10, ça valait 13, je fais le max entre 13 et 16, et donc c'était 16. Donc ce qui m'a permis d'obtenir la valeur de cette case, c'est la case située à la colonne d'avant et sur la même ligne. Donc si je veux savoir d'où je viens, il faut que je note la ligne, parce que je viens forcément de la colonne qui précède. Donc, pour noter ça, eh ben je vais, à chaque fois que je fais une mise à jour, je vais stocker dans P la ligne d'où je viens. Ça va me permettre de savoir si j'ai mis ou non l'objet en question dans le sac. Alors, la matrice P, on va la remplir ensemble. Et voilà les modifications de l'algorithme. Alors, dans le cas qu'on mentionnait ici, vous voyez que pour savoir lequel de ces termes m'a donné le max, ben je les compare ici. Ça, c'est le premier terme, ça, c'est le second terme. Si le premier terme est plus grand que le second ici, ben je note que je venais de la ligne C-WI. Si ce n'est pas le cas, je venais de la ligne C. Pour le 16 ici, c'est que je viens de la ligne C, je suis dans ce cas-là. Alors, voilà le contenu de la matrice P, et on va juste regarder un certain nombre de cases dans cette matrice pour bien comprendre. Alors ici, quand on a mis à jour le 16, on vient de le dire, c'est qu'on venait de la même ligne. C'est qu'en fait, on est à cette instruction de l'algorithme. Donc on sait que comme il n'y a pas de changement de ligne, on est à la ligne 10 et on indique que notre prédécesseur est dans la ligne 10, bah c'est qu'on n'a pas mis l'objet 5 dans le sac. A l'inverse, ici on va noter 6 parce que quand on met à jour cette valeur 16, elle vient de 9 plus 7. Hein. 9 plus 7, ça vaut 16, c'est plus grand que 14. Ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Donc on note qu'on vient de la ligne 6. Qui va nous permettre d'identifier qu'on a mis l'objet 4 dans le sac. De la même façon, ici, on venait de la ligne 2. Donc, toujours, cette même instruction est exécutée. Et ici, ben, l'objet 2, on ne pouvait pas le mettre dans un sac de capacité 2. Donc, on a mis à jour cette valeur, c'est qu'on était dans le sinon, ici. Donc, c'est qu'on était sur cette instruction, hein. Le poids de l'objet 2, qui vaut 3, bah, il est strictement plus grand que la capacité qu'on regarde qui vaut 2, et donc on va dans le sinon ici. Puis on peut terminer, et voilà, pour cette dernière décision, eh bien, c'est qu'on met l'objet 1 dans le sac. Donc vous voyez que voilà, si on met à jour la matrice P à chaque fois qu'on met à jour la matrice F, en traitant a posteriori la matrice P, on peut retrouver les objets qui justifient une certaine valeur dans une certaine case, et notamment la case finale qui nous intéresse. À chaque fois qu'on a un changement de ligne, c'est qu'on a mis l'objet dans le sac. Donc ici, j'ai pas mis l'objet 5, j'ai mis l'objet 4, j'ai mis l'objet 3, j'ai pas mis l'objet 2, j'ai mis l'objet 1. Voilà. Donc ça, c'est vraiment purement informatique, c'est comment retrouver une solution optimale. Ok, alors on va conclure en parlant d'un dernier algorithme qui serait l'algorithme récursif pour résoudre ce problème. On aurait une façon aussi assez facile et assez directe de dériver un algorithme à partir de cette formule de récurrence, c'est d'écrire l'algorithme récursif. Donc on dispose de cette formule de récurrence et on pourrait tout à fait écrire un petit algorithme. Alors je l'ai fait ici en Python. Je l'ai appelé rec de f pour calcul récursif de f. Un algorithme qui reprend exactement la formule.
Hein, ici, on voit que les deux arguments, c'est C et I, hein, c'est mes deux arguments de ma formule, et puis je vais avoir des appels récursifs. Hein. Dans le cas général, je vais appeler l'algorithme pour C-WI, I-1 ou C-I-1, c'est-à-dire on retrouve les termes de ma formule. Donc c'est un algorithme qui s'appelle lui-même, c'est un algorithme récursif. Je vais retrouver mes conditions d'arrêt. Alors ici, j'avais 0, donc les objets vont de I de 1 à N, mais en Python, les indices vont de 0 à N-1. Donc ce 0 ici s'est transformé en moins 1. Mais c'est bien la condition d'arrêt que j'ai ici. Voilà, donc vous pouvez mettre en face la formule de récurrence et un petit algorithme récursif très simple qui correspond. Donc ça semble beaucoup plus simple quand même que toute la démarche qu'on a fait par les chemins. Donc il faut expliquer de comprendre quel est le problème avec cet algorithme. Alors si on exécute cet algorithme sur notre exemple, hein, on cherche à calculer f étoile de 10, 5, hein, donc, parce que quand W vaut 10 et on a 5 objets. Et puis on peut représenter les appels récursifs. Pour avoir f étoile de 10, 5, il faut que je calcule d'abord f étoile de 2, 4 et f étoile de 10, 4. Et puis pareil, je vais dérouler ma formule de récurrence pour obtenir un arbre des appels. Alors je ne vais pas jusqu'au bout des appels, mais voilà le début de l'arbre des appels récursifs. Donc l'arbre en descente, c'est en dépilement des appels qu'on va faire remonter les valeurs max et qu'on va obtenir la valeur optimale pour 10, 5. Donc ça fonctionne très bien, c'est correct, mais on a un problème en fait de complexité qu'on va voir maintenant. Alors le problème est le suivant, voilà mon arbre des appels récursifs. Si je regarde que j'avais pas déroulé jusqu'au bout, mais si je regarde là où je me suis arrêté, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des termes que je vais calculer plusieurs fois. Ici, f étoile de 2, 2, je vais me retrouver à le calculer deux fois. Pareil pour f étoile de 6, 2. Donc l'observation que je peux faire, c'est qu'il y a du travail redondant. Et en fait, ce travail redondant va être dramatique pour la complexité de l'algorithme. Si on regarde bien, en réalité, à chaque niveau dans mon arbre des appels ici, au niveau 0, je vais avoir un nœud, au niveau 1, je vais avoir deux nœuds, au niveau 2, pardon, je vais avoir de l'ordre de 4 nœuds, hein, 2 puissance 2. Alors ici, j'en ai 3 parce que j'avais un gros objet, donc je n'ai pas eu besoin de ce terme. Mais dans le cas général, hein, je vais avoir de l'ordre de 4 sommets ici, de 4 nœuds. Dans le pire cas, j'aurai 4 nœuds au niveau 2. Au niveau 3, je vais en avoir 8, etc. Et donc dans cet arbre, si cet arbre binaire est complet, eh bien au niveau n de mon arbre, je vais avoir de l'ordre de 2 puissance n. S'il est complet, je vais avoir exactement 2 puissance n feuilles. Alors en pratique, je vais en avoir un peu moins, mais je vais toujours en avoir de l'ordre de 2 puissance n, hein, puisque le pire cas, ça va être 2 puissance n. Alors ça, c'est un problème, parce que si je compte le nombre de nœuds dans cet arbre, hein, si je fais la somme des 2 puissance i de i égale 0 à n, je vais obtenir 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc, bon, peu importe le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai effectivement de l'ordre de 2 puissance n appels dans cet arbre. Ce qui est un algorithme exponentiel, donc c'est une complexité qui est catastrophique, et c'est un algorithme qui ne va pas du tout passer à l'échelle en pratique. Même s'il est correct, il ne va pas permettre de résoudre des problèmes de taille significative en pratique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait des modèles de chemin. Alors, je vais simplement conclure. Donc, on est parti du problème de sac à dos pour illustrer cette technique de programmation dynamique. On a montré que le problème de sac à dos avait une propriété qui était très semblable à une propriété qu'on avait identifiée dans les problèmes de plus court chemin. Hein, c'est qu'une solution optimale est constituée avec des solutions optimales de problèmes restreints. Et cette propriété nous a permis d'écrire un modèle de plus long chemin pour le problème du sac à dos. Enfin, on a vu aujourd'hui que plutôt que d'écrire ce modèle de graphe en détail, on pouvait aussi directement l'écrire à travers l'équation de Bellman associée à ce graphe et à ce modèle de chemin, cette équation de récurrence. Et que ça nous donnait un algorithme efficace qui correspond au fond à l'algorithme de Bellman-Ford dans un graphe sans circuit. Et puis on s'est rendu compte aussi que, attention, si on traite cette formule de récurrence comme un algorithme récursif, là on a un algorithme en 2 puissance n qui ne passe pas du tout à l'échelle et qui est absolument inutilisable en pratique, même s'il est évidemment correct. Voilà. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est qu'on mette en œuvre cette technique sur différents exemples pour la pratiquer et bien la comprendre. Alors je ferai une dernière petite vidéo sur deux exercices, alors en essayant de les relier à des domaines d'application que j'aime bien. Donc on fera un exercice qui va se poser dans le contexte de la recherche d'exoplanètes, d'ailleurs un partenariat avec l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. On verra comment la programmation dynamique peut aider les astrophysiciens. Et puis on verra un autre exercice qui, lui, sera dans le contexte de l'analyse du génome.
Donc vous savez que depuis qu'on a des techniques efficaces pour séquencer le génome, ben on les utilise pour plein de choses, notamment pour revenir par exemple sur les 7 millions d'histoires de l'humanité, et donc en calculant des distances entre séquences de gènes, en résolvant tout un tas de problèmes qui sont liés à l'analyse de ces séquences. Et donc la résolution de ces problèmes d'analyse de séquences du génome, eh bien, relève souvent de la programmation dynamique. Voilà. Donc on verra comment eh bien, les paléo-anthropologues comme les astrophysiciens eh bien, font des problèmes de chemin. Voilà, bon cours à vous.